9h-10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace, évidemment, sur Espace TV. Vous avez accès à cette émission tous les soirs quand il est 22h30. On va essayer de s'intéresser à vos mails, mais aussi hein, vos SMS reçus, GG au 8037 si vous êtes abonné Orange, évidemment, en Guinée. Et beaucoup de lutteurs, un TVN ce matin dans cette émission, DTS du côté de Wanindara, qui dit, Aboubakar, toi, même tu disais que le lancement de Kaleta, c'était le 31 mai, donc, il ne faut pas te contredire, voilà, tout simplement. Allez, cet autre auditeur qui dit bonjour les GG, il y a beaucoup de messages qui tombent en même temps, c'est Yaya Bagissa. Quand j'ai dit que le courant qu'on n'a pas vu Kaleta Aboubakar m'a traité de pessimiste, hein. Mamadian Kouarouri d'Alain qui dit si le RPGiste sont sûrs, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire hein, parce que le message n'est pas venu au complet. C'est un message qui dit bonjour, c'est la Marana de Sonfonia, Kaleta, une bonne initiative. Voilà. Je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'il veut dire ce monsieur? Calmez-vous, le courant de Kaleta, c'est pour le 31 mai, voilà, allez-vous Bindi. Je suis Bachir Koulibaly depuis Amdalaï. Kaleta est le plus gros mensonge politique du mandat d'Alpha Condé. Voilà, lui, il dit bonjour les GG, mais... Je voulais que Djibril, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Voilà, allez, merci beaucoup. On ne s'attaque pas dans cette émission, c'est important. Merci. Salut les patriotes, le nouveau ministre de la Pêche ne peut rien avec ses cadres. Le problème de ce département, c'est Alcéni de Kamsar donc, qui nous envoie ce message ce matin. On va partir d'ailleurs du côté de Kamsar dans un instant, mais d'abord revenir hein, sur cette question de Kaleta Ahmed Camara. Il faut que le ministre parle. Je parle de... Talibé, évidemment. Écoutez, il faut qu'il parle. Il peut ne pas forcément être un technicien, mais il y a des techniciens qui sont là, qui peuvent bien expliquer aux populations. Moussa le rappelait tout de suite, nous avons eu un technicien en fin de semaine, c'était jeudi dernier, dans ce studio, qui nous a expliqué, qui nous a dit que c'était graduel, c'est-à-dire la desserte en électricité, et qu'au fur et à mesure, et c'était une turbine qui avait été lancée pour l'instant, et qu'il y aurait une deuxième et troisième turbine qui allait être lancée. Progressivement. Voilà. Du côté de la RTG, on a réagi ce matin. Hein. Que les gens cessent d'être pessimistes, qu'à l'État, ces trois groupes, un seulement est lancé. Et puis, le réseau de distribution, du courant est vétuste. C'est Makim Bamba qui nous envoie ce message. D'abord, je vous informe que monsieur le ministre Talibé Sylla serait du côté de l'EDG, au siège même de l'EDG, au moment où je vous parle. En ce moment-là. Puisque j'ai eu au téléphone une source qui m'indiquait qu'il est actuellement du côté de l'EDG et que ces coupures intempestives seraient, je mets ça au conditionnel puisque je prends cette information avec des pincettes, serait un sabotage. Ouais. Donc le ministre serait en train de remobiliser les troupes pour faire cesser une bonne fois pour toutes ces coupures intempestives. Mais ce qui est important, Amen l'a rappelé, les autres l'ont rappelé, la communication au niveau pour le lancement de Kaleta, c'est une communication qui est complètement passée à la trappe. Ouais. Je pense qu'il faut, on parle de turbine, c'est un argument trop facile. Et il faut faire remarquer aux populations que Kaleta n'est pas la solution. Et M. Sidia l'a dit hier, je ne suis pas spécialiste en la matière. Non, écoutez, Kaleta n'est pas la solution. Il faut que les barrages hydroélectriques soient suppliés, la mine. Je suis désolé. La mine, je ne parle pas en tant que spécialiste, mais je sais que les barrages hydroélectriques. Pas parce que Sidia a dit que Kaleta n'est pas une solution, que vous allez répéter la même chose quand même. Vous l'avez dit tout de suite. Oui, mais je l'ai dit parce que je trouve que c'est pas grave. Vous n'êtes pas un militant de l'UFR. Je ne suis pas un militant de l'UFR. Quand c'est pertinent, il faut quand même le dire. Mais vous l'avez dit que c'est Sidia qui l'a dit. Oui, c'est pas parce que Lamine, vous êtes un Gakanké, que quand vous dites la vérité, je dois passer à côté. Mais voilà. Moi, je suis pas dans ces considérations-là, mon cher ami. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Gakanké ou je ne sais quoi. Je suis Guinéen, tout simplement. Vous êtes Guinéen. Voilà. Je suis bien content de le savoir. Merci. Mais encore une fois, il faut dire aux populations que Kaleta n'est pas la solution. Merci. Les barrages hydroélectriques ont une efficacité dans le temps. Bien. C'est pendant la période des pluies. Après cette période, il faut que ces barrages soient suppliés par les centrales thermiques. Merci beaucoup, Djibril. Allez-y, Moussa Moïsina. Kaleta, c'est un bel investissement. Personne ne peut le nier. C'est quand même un pas important qui a été franchi.
mais qu'à l'État ne sonne pas le glas de cette histoire d'obscurité dans notre pays. Ça, au moins, je pense qu'un tel message doit être divulgué auprès de la population pour dire que ça ne met pas fin complètement à la problématique de l'énergie dans notre pays. Ah. Mais aussi, il y a une chose. Nous apprend, mon cher ami, que c'est le président qui a dit de ne pas communiquer sur Caleta. C'est bien. Il n'y a pas de problème. La population écoute, c'est assez facile. Voilà. C'est assez facile tout ça. Ouais. Toujours du côté de la RTG. Quand on a des difficultés, on dit c'est le président qui a dit. Ouais. Alors, ce que je souhaite relever aussi, c'est que si, même si les trois turbines ont été lancées, est-ce que complètement tous les fils entremêlés dans les domiciles? Non, mais c'est un constat que j'ai fait. Allez-y du côté de la ville, ou bien à côté, juste à côté du côté de donc de, la distribution. De pas la distribution, le réseau. Le réseau est complètement vétuste. Moi, j'aimerais comprendre comment les domiciles vont être lorsque le courant va être permanent, c'est-à-dire au moins 20 heures par jour ou je ne sais pas, 18 heures par jour. Je pense qu'il y aura beaucoup de cas d'incendie, beaucoup de cas de court-circuit. C'est le bon moment de prendre le devant des choses pour aller dans ces domiciles, pour obliger soit les consommateurs à eux-mêmes changer leur installation, ou bien que EDG, Attention, je le dis. Bien. Parce qu'il peut y avoir des cas d'incendie. Je sais de quoi je parle. Il y a des fils. C'est un Nuridi qui parle. Il est Moïse, de toute façon. On peut te croire. Oui. Je vous parle avec mon bâton. Il y a des fils qu'on prend pour attacher normalement du bétail, les moutons et autres. C'est ce qui sert de transport du courant dans les domiciles. Je pense que c'est un danger. C'est le bon moment de se lever et d'aller faire une sorte d'inspection dans les domiciles. Merci. Les domiciles qui ne répondent pas à cela, que dans ces domiciles, c'est qu'il y ait une coupure complètement. Qu'il y ait une coupure qu'on leur demande d'être. Vous êtes 5 heures, monsieur. Non, je suis pas 5 heures. Vous êtes 5 heures, monsieur. Parce que vous habitez dans une maison parfaite. Vous dites, attendez, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Bien. Mais j'ai trouvé les moyens qu'il faut pour acheter quand même des fils qui répondent aux normes. Voilà. Il y a de ces fils sur le marché et j'ai approché les spécialistes. Il faut faire la même chose. Sinon. Danger de mort. Bien, allez-y, Roby. Je suis tout à fait d'accord avec Moussa Moïse. Faut pas attendre que les maisons crament pour venir nous parler de sans cœur. C'est vous plutôt qui êtes sans cœur puisque vous voulez que les gens brûlent dans leurs maisons. Il faudrait que EDG prenne la responsabilité d'inspecter les maisons, comme dit Ahmed. Non seulement de nous améliorer très vite le système de transport de courant, mais en même temps d'installer les compteurs dans les maisons, puisque tout ce courant-là, il faut le contrôler. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? La période d'essai dont Ahmed parle a été transformée en discours où on a fait croire aux gens que... Attendez! Est-ce que t'as entendu le président parler dessus? Mais non! On a reçu le SMS tout à l'heure qui dit que le président ne veut pas qu'on communique sur Caleta, mais c'est pas vrai! Allez-y sur le site, la présidence, ils ont fait un article là-dessus. Le président aurait pu interdire depuis le début. Mais c'est pas les gens qui ont inventé, ce sont les membres du gouvernement eux-mêmes qui ont assez communiqué sur cette histoire de Caleta en faisant croire aux gens que l'obscurité c'est fini, vous aurez le courant 24 heures sur 24 ou vous aurez le courant 18 heures sur 24, tout est bon, voilà, c'est bien le PRAC, le MAC, les mouvements et tout ça. Bien. Mais c'est ça la réalité. Allez. Ils ont fait une erreur au niveau de la communication, il est encore temps, il faut le dire. Allez, il est encore temps, il est possible de corriger les erreurs là. Merci. Il est possible de prendre d'assaut les médias, d'expliquer aux populations. EDG d'ailleurs, avant tout, devait faire un planning. On l'a discuté ici. Il devait faire un planning pour expliquer aux populations voilà comment la desserte va se faire. Bien. Nous sommes en période d'essai. Même la période d'essai sera terminée. Est-ce que... Vous n'aurez pas le courant autant que à la proportion à laquelle vous vous attendez. À t'écouter ce matin, t'es désespéré complètement. Non, mais il a raison. C'est pas une question de désespoir, c'est une question de réalité du terrain, encore une fois. T'es désespéré ou pas? Je ne suis pas le seul à désespérer. Je suis désespéré parce que toute la communication, tout le tintamarre qui a été fait autour, la réalité dit autre chose. Voilà. La petite seconde. Je veux dire à ceux qui disent que le réseau de distribution est vétuste, que ce n'est pas une raison. Quand on veut préparer, ben quand on va au marché, il faut se rassurer qu'on a une marmite pour mettre là-dedans. Si on n'a pas de marmite, comment est-ce que vous allez faire? Si le réseau est vétuste, vous ne pouvez pas faire Caleta sans changer. S'il vous plaît. La marmite est perforée. Vous ne pouvez pas faire Caleta et dire que le réseau est vétuste. Il fallait corriger ce réseau. Et ce réseau, comme Roby l'a dit, il faut chercher à savoir exactement où sont beaucoup partis d'argent les fonds. Parce que des travaux ont été lancés. Nous avons invité M. Papakoli dans ce studio qui est venu spécialement nous parler du lancement des travaux pour améliorer le réseau de distribution. L'ancien directeur de l'EDG
qu'on nous dise qui se la coule douce et qui écrit des bouquins pour nous expliquer comment l'argent qui a été investi dans l'amélioration du réseau, comment ça a été utilisé. Voilà. Je me demande comment il s'appelle, l'ancien directeur là, du temps de Papa Coli, Keita, qui du coup s'est transformé en écrivain, se la coule merci douce. Beaucoup. Il faut des précisions. Allez-y, Tamba. Je pense que si le projet Caleta. Il est désespéré. Réussit, hein. Si le projet Caleta. Il y a de quoi. Hein. Ah bah écoutez, hein. Allez-y, Robin. Voilà. Allez-y, je pense que si le projet Caleta réussit, c'est quand même un grand pas. Quand même. Un grand pas vers l'industrialisation. Voilà. C'est un grand pas vers le développement. Mmh. C'est quand même une vérité sur laquelle... Voici un patriote qui parle. Heureusement, non. Heureusement, tous ici dans ce studio, nous convenons de cela. Maintenant, débat réseau de distribution ou réseau pas de distribution. À mon avis, il ne faudrait pas qu'on serve au gouvernement une excuse banale. Non, mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Voilà. Il y a des habitats. C'est le Benjamin. Il y a des habitats ici à Conakry. Il y a des habitats ici à Conakry. On ne pourra pas, comment le dire, on ne pourra pas nous prémunir contre des risques d'incendie. Pour plusieurs raisons. Vous pouvez peut-être changer ce réseau de distribution, mais vous allez voir les branchements clandestins, ils vont continuer. Vous voyez les habitats avec, comme Kaloum par exemple, chaque fois que vous y allez. Vous savez, même les murs ont un rôle à jouer sur la qualité de résistance des fils que l'on utilise. Mais voyez un peu les bicoques, voyez un peu l'habitat du côté de Kaloum. C'est là toute la difficulté que nous avons à gérer tous ces problèmes-là ici à Conakry. Conakry, c'est un désordre habitat. Il faut quand même le reconnaître. Et tant que cela n'est pas corrigé, de tels risques, il y en aura toujours. Je vais vous le dire. Et interpeller la conscience des populations elles-mêmes. Vous êtes des shaitans. Non, mais on n'est pas des shaitans. Je suis désolé, mais attendez quand même, quoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ce matin à dire ouais, tout est noir, vous êtes quoi, etc. Je ne sais pas là, quoi. Mais il n'y a que ça que tu dis. On est des shaitans. Franchement, la réalité dans les quartiers, c'est ce qu'on est en train de dépeindre. Ce ne sont pas des inventions. Écoutez, la mine n'a pas le même problème que nous. Donc c'est normal, je vais expliquer de la même manière. Tu as un groupe de combien de caveillas chez toi? Tu l'allumes? Mais non, mais 75 caveillas, c'est ça? Nous, on n'a pas ces groupes-là à la maison. Bien. Nous, on a besoin. Merci beaucoup. Attendez, merci les gars. Qu'on s'organise un petit peu. Abakadelo, allez-y. On va essayer de partir du côté de Kamsa parce que c'est un faux débat. Vous êtes en train de je sais pas, franchement. Allez, je voulais aussi rajouter un petit quelque chose pour dire simplement aux populations que, en attendant. Mon frère, t'es pas EDG? Non, je suis pas EDG. Non, mais. C'est important. Non, mais écoutez, je veux bien parler de la certification. C'est extrêmement important. Vous parlez tout à l'heure des câbles. C'est important. Il y a un contrat qui lie EDG à une société qui s'appelle Chantina. Ouais. Il faut matérialiser ce contrat-là. Ouais. C'est extrêmement important. C'est vous qui m'avez poussé à le dire. Bien sûr. Et je vais le dire. Non, mais ça, en plus, c'est une réalité. Voilà. Ce qu'il faut rajouter, c'est que le peu de courant que Caleta fournit déjà, je pense qu'il faut faire, il faut en faire bon usage. Ouais. C'est important. J'interpelle les populations. Moi, quand je passe dans les rues de Conakry, en pleine journée, vous voyez ces ampoules non économiques qui sont allumées. Non, mais attendez. Mais quand même, bon sang de Dieu, qu'on sache qu'on n'a pas besoin de laisser les ampoules allumées en pleine journée. C'est parce qu'on n'est pas sûr que ça va rester toute la journée. Nous ne sommes pas encore habitués au courant 24 heures sur 24, mais il va arriver qu'on soit obligé de changer non seulement le câble. Il faut changer aussi les ampoules, mais il faut savoir que c'est la référence. Pendant la journée, on éteint les ampoules. Si vous voilà. Je pense que c'est un conseil. Si vous avez un compteur, c'est vous qui savez si vous devez couper ou pas. Mais il faut s'attendre à voir les factures gonflées en plus de l'ascenseur. C'est extrêmement important. En plus, il faut savoir que les notes seront désormais plus salées. En plus, c'est important. C'est vrai que ce qu'Abakar dit, il faut qu'il y ait une concurrence. Il faut qu'il y ait une conscience populaire pour que les populations apprennent à éteindre les courants la journée. Mais d'un autre côté, c'est une référence. Quand les ampoules s'allument, TFA ! Mais c'est ça la réalité. Donc, du coup, c'est le baromètre pour juger si les grands est là ou pas. Parce qu'on n'est pas habitué. Voilà. On va essayer de partir du côté de Kamsar. Ouais. Voilà, vous allez nous replanter un petit peu le décor. Parce que là-bas, c'est la rébellion. Oui, Kamsar, jusqu'à hier, c'était l'ébullition. Tout est parti vendredi de cette Ebola résistance qui a secoué la ville. Ouais. Alors, les populations donc, ont opposé une forte résistance à l'intervention d'une équipe anti-Ebola sur place. Où vous avez appris ce qui s'est passé.
les gens, les populations sont allées, des groupes de jeunes se sont introduits jusque dans la cité, quand même, la cité qui abrite les installations de la CBG, et finalement le commissariat de police qui était là a été saccagé, et puis d'autres à se référer à ce qui s'est passé du côté de Kamsa. Je peux comprendre cette population, parce que quand la communication est désorganisée, voyez le directeur général de CBG qui s'insurge finalement, ben oui, monsieur Ebola qui communique, qui sensibilise, on ne comprend rien du tout. Il y a un moment, chacun son rôle, c'est important. Voilà, le directeur général de CBG n'est pas du tout le coordinateur de... Justement, c'est important. Au-delà de ça, il y a tellement d'incohérences. Quand j'entends le préfet, madame le préfet de la région, dire que les populations ne devraient pas s'en prendre au commissariat ni à la mairie, etc. Et devraient plutôt s'en prendre aux tentes installées. C'est grave. Mais c'est grave qu'on dise aux populations d'aller s'en prendre plutôt aux tentes et à Roby, tout ce qui est... sans blague. Mais si, elle a dit, c'est sur les sites. Elle a dit, c'est sa déclaration. Elle a dit que les populations ne devraient pas s'en prendre au commissariat ni aux mairies, etc. Mais plutôt aux ambulances, etc. Mais plutôt, ils devraient aller, puisque c'est un cas Ebola, la population devrait aller s'en prendre aux tentes et aux installations anti-Ebola. Veux dire, c'est grave. Voilà. Quand vous faites des déclarations comme ça, c'est grave. Bien. Fassina Yattara, bonjour. Les grandes gueules. Allez, il est parti, hein, voilà. Lui, coordinateur préfectoral de la lutte contre Ebola. Non, mais il est censé, en tout cas, ce matin, nous faire le point de l'évolution de l'épidémie sur place à Kamsar. Kamsar, qui est apparu donc comme un nouveau foyer, est très actif en ce moment, où des cas ont été détectés et des personnes contactent avec. Mm-hmm. Mais ce qu'on apprend, et c'est extrêmement grave, parce qu'on apprend que beaucoup de personnes contacts qui étaient donc considérées comme des personnes contacts se seraient fait la belle dans la nature, donc ont disparu simplement. Et on se pose la question aujourd'hui, où se trouvent ces personnes-là, et avec tous les risques que cela comporte de dissémination du virus au sein de la masse. Voilà, monsieur Yattara, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue sur Espace. Vous êtes à Kamsa, vous êtes le coordinateur régional, préfectoral. La préfecture de Boké, oui. Voilà. Alors, faites-nous le point de la situation, de l'évolution de l'épidémie à Kamsa. On était surpris de constater que Kamsa soit contaminé. Comment tout cela a commencé? Par quel moyen Kamsa a été affecté? Kamsa a été affecté par le même moyen que toutes les autres sous-préfecture. Hein. Ebola, c'est quelqu'un qui l'amène. Et ce n'est pas quelqu'un qui se décide d'un jour d'amener Ebola quelque part. Un malade se cache, il vient mourir quelque part. On ne sait pas qu'il est mort d'Ebola et il contamine les gens. Mm-hmm. Quelqu'un transporte un malade d'Ebola quelque part, il ne sait pas que c'était un malade d'Ebola. Il va chez lui, il se contamine. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième chose. Cette deuxième voie, c'est ce qui est arrivé à Kamsa. Mm-hmm. Alors, le cas index de Kamsa, c'est-à-dire d'où par qui il est parti, est un chauffeur. Un chauffeur qui, selon maintenant nos enquêtes, aurait transporté un malade un jour d'une localité qu'on ne connaît pas dans un village de Bofa. D'accord. Ce malade est venu, il est décédé à Bofa, et précisément à Kifinda. Mm-hmm. Moi, je suis le coordinateur préfectoral en même temps de Bofa. Ce jour, j'ai été alerté qu'il y a un malade quelque part. J'ai envoyé une équipe pour chercher à savoir quel type de malade. Avant que l'équipe n'arrive, le malade était décédé. J'ai demandé l'enterrement sécurisé. C'était précisément le 18 avril, il est décédé. Le 19 avril, donc, il a été sécurisé. Ouais. Prélevé, l'échantillon envoyé au laboratoire, il a été testé positif le 19. Donc, au fait, c'est un malade Ebola. Ouais. Ça, c'était le 19 avril. Ouais. Alors, le cas de Kamsar, le cas index de Kamsar, de recoupement en recoupement, nous avons compris que ce cas index est un chauffeur, et ce chauffeur qui avait transporté ce malade de Tombolia, c'était un malade non suivi, c'était blanc, c'était pas un contact, hein. C'est quelqu'un qui était malade, il s'est caché dans la communauté. Il a fréquenté certaines petites cliniques privées, il n'a pas eu satisfaction. Il a décidé un beau jour d'aller à l'indigénat. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. Donc tout ce qui est arrivé avec Ebola dans notre pays depuis février 2014, c'est parce que les gens ont décidé à un moment donné de se cacher, de quitter et d'aller
à l'indigénat quelque part, il se cache, il meurt là-bas. Et puis on ne sait pas, les gens qui sont bien. Là ne savent pas. Alors ça c'est sur le plan national, monsieur Yattara. Revenons sur le cas de Kamsar, il faut le rappeler, hein, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous avez bien décrit tout à l'heure ce qui s'est passé en tout cas de ce côté. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas pu peut-être maîtriser en tout cas ce qui s'est passé du côté de Kamsar? Parce que vous le dites en même temps que vous savez les contacts, comment ça s'est passé et tout ce qu'il y a autour. Récemment, au lieu de vous entendre, c'est plutôt le directeur de CBG qu'on a vu un petit peu sur les sites internet, peut-être même sur les radios, à parler de la situation du côté de Kamsar. Comment se fait-il? Comment est-ce possible? Vous êtes quand même coordinateur préfectoral de la lutte contre Ebola dans la région. Effectivement, ben, je suis coordinateur préfectoral de la lutte contre Ebola dans la région. Mmh. Et si le directeur de CBG a dit quelque chose, c'est parce que c'est moi qui le lui ai dit. Chaque fois que j'ai été sollicité par les médias, j'ai dit... Mais c'est pas lui qui est habilité à parler quand même, monsieur Yattara. Ok, attendez. Chacun dit ce qu'il veut dire et ce qui est important pour nous, ouais, c'est que l'information qui doit sortir... Ça, c'est de la pagaille, tout simplement. Chacun dit ce qu'il veut dire, c'est grave. La communication autour de ce que voilà doit être... Pas bien écouté, je pense qu'il faut l'écouter. Voilà. Si vous voulez comprendre, moi, j'étais en train de vous expliquer par quoi ça a commencé. Ouais. Donc, ce cas index qui est mort, c'est lui qui a contaminé des gens dans la ville de Kamsar, pas dans la cité en périphérie. Docteur Yattara, revenons sur ces échauffourées qui ont quand même secoué et branlé Kamsar vendredi et hier lundi. Expliquez-nous comment tout cela est arrivé. On a appris que des jours avant, c'était des femmes baga qui avaient alerté et qui sentaient mal, qui supportaient mal, j'y arrive, la présence des équipes anti-Ebola. Alors, est-ce que vous n'avez pas vu venir ces violences donc, qui ont secoué la ville? Est-ce que vous avez manqué de prévoyance? D'abord, c'est une fausse information. Les femmes baga n'ont jamais dit qu'elles ne veulent pas sentir les équipes Ebola. Lorsqu'on a compris, lorsqu'on a eu l'information que les femmes baga allaient sortir, nous sommes allés au devant pour leur demander de quoi il s'agit. Ouais. Les femmes baga nous ont dit que ça n'a absolument rien à voir contre Ebola. Et que c'est un rite qu'ils font régulièrement une fois par an, et que ça n'a absolument rien à voir avec contre Ebola, et que d'ailleurs ils profitent de ce rite pour flétrir Ebola. Et ça n'a absolument rien à voir contre Ebola. Bien. Elles ont fait leur sortie, c'était d'ailleurs nocturne, c'était dans la nuit du mercredi au jeudi. Ils ont fait leur rite normal dans la nuit du jeudi. Ok, parlons-nous alors des échauffourées. Ça n'a absolument rien affecté. Okay. Donc, c'était une fausse information. D'accord, parlons-nous de ces échauffourées alors, ce week-end pratiquement, du côté des Kamsa. Qu'est-ce qui a provoqué tout cela? Vous dites, reprenez la question. Non, les échauffourées, on aimerait savoir plus. L'origine, comment tout cela est arrivé depuis vendredi jusqu'à hier? Voilà, c'est important maintenant de reposer la question. Au fait, le vendredi, nous sommes en train de suivre les contacts sur le terrain. L'équipe de surveillance donc a pour mandat de suivre les contacts sur le terrain pour voir si parmi les contacts il n'y a pas de malade. Et dans le cours de nos investigations, on a trouvé qu'il y a une malade quelque part. Mmh. Et donc notre mandat, c'est d'abord de négocier pour que cette malade soit extraite de la communauté, parce que c'est ça les stratégies d'intervention en matière d'Ebola. Mmh. Donc, ça commence par, bien sûr, la négociation pour leur faire comprendre la nécessité de la faire partir pour que ce ne soit pas un point de départ de l'épidémie dans la localité. Alors, donc, on n'a pas réussi à avoir son accord. Oui. Nous avons fait intervenir les sages, notamment le collège des imams de Kamsar, qui est allé également négocier avec cette femme, avec sa famille, ils n'ont pas accepté. Et après, ce collège des imams nous a dit, ok, d'accord, non, on n'a pas réussi, mais nous allons faire appel à notre structure de référence, c'est-à-dire la Ligue islamique régionale, conduite par quelqu'un de très écouté dans la région, un certain El Hadji Yattara. Donc, cette équipe est venue pour essayer de négocier le retrait de cette femme. Et c'est pendant cette négociation, avant même qu'elles arrivent, qu'elles ont trouvé que des badauds avaient érigé, et ils ont commencé directement à cogner. C'est comme un feu de poudre, hein. Ça a carrément pris toute la cité, en fait toute la périphérie.
Et donc, de proche en proche, la foule ne faisait que grossir et ils sont allés, ils ont commencé à casser les édifices publics. C'est par ça que ça commence. C'est de là que c'est parti. Voilà. On aimerait tellement vous garder à l'antenne, docteur Yattara, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Peut-être même envoyer une équipe sur place pour essayer de comprendre cette actualité. Merci beaucoup, monsieur Yattara, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, merci beaucoup. Allez, à très bientôt, au revoir. 9h-10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Allez, on va revenir sur cette information à Ahmed Camara, le député PDS, qui nous écrit ce matin pour la réfection de réseau. L'Assemblée nationale a voté la convention de près de 146 millions de dollars, déjà décaissée quand même. On ne peut pas continuer à décaisser de l'argent. Je l'ai bien signalé ici. Monsieur Papakoli était dans ce studio et il nous a dit que les travaux étaient lancés. J'ai parlé de ces chambres, de ces entrées touchées qu'on a construites un peu partout du côté de Conakry. Il faut qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'on a fait de toute cette manne qu'on a débloquée du côté donc de EDG ou encore du ministère de l'énergie. Dans ce pays, on invente des projets, c'est l'habitude, on pompe l'argent, on réalise et après on revient pour nous reparler du même problème. C'est un circuit continuel, ça ne finit jamais, les mêmes problèmes reviennent parce que l'argent est décaissé, la solution n'est pas trouvée, les réseaux ne sont pas améliorés alors qu'on a débloqué 146 millions pour améliorer ces réseaux-là. On ne demande pas d'audit pour nous dire combien et comment ont été utilisés cet argent-là, il n'y a rien. On va encore remonter les mêmes projets, réinvestir dans le même projet pour dire qu'on va améliorer les réseaux, ça ne sera toujours pas fait. C'est continuel, c'est comme ça dans ce pays, c'est comme ça ils s'enrichissent. Voilà. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.